Opération Commando pour les hommes de la BST. Une brigade spécialisée dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, créée il y a un an. Bien, donc démarrage aujourd'hui de l'opération d'approche globale sur la cité La Bricarde. Trois fois par mois, une descente est organisée pour fouiller une à une chaque cité sensible des quartiers nord de Marseille. Allez, c'est parti. Cet environnement, Atem le connaît bien. Il y est né il y a 38 ans. Ses habitants et leurs habitudes n'ont plus de mystère pour lui. Là, il y en a deux qui sont perchés juste au-dessus. Là, on les voit cachés derrière le bloc en béton. Là. Deux guetteurs sont postés pour prévenir les dealers de l'arrivée de la police. Bon, c'est par de là. La BST est autorisée à tout fouiller. Accompagnée de deux fonctionnaires canins spécialisés dans la recherche d'armes et de stupéfiants, une quarantaine de policiers va passer la cité de la Bricarde au peigne fin. Ouais, c'est là. Tous ces moyens engagés ne garantissent pas pour autant le succès de l'opération. Une heure de recherche. Un chien renifle quelque chose dans ce placard. Le chien n'a pas marqué l'arrêt, il n'y a rien du tout. Si, il l'a marqué là. Probablement une ancienne planque de stupéfiant. Non, il n'y a rien. C'est là. Mais c'est chiant. C'est le jeu, hein. C'est la chasse au trésor. Hein. Un coup on trouve, un coup on trouve pas. Terminé. Au jeu du gendarme et du voleur, les dealers ont souvent un coup d'avance. Sur le mur des halls, les numéros d'immatriculation et les modèles des voitures utilisées par la police. Une manière de les repérer de loin. Ça, c'est tous les noms des filles qui viennent ici. Il y a les prénoms des fonctionnaires et même quelques qualificatifs pour certains. Donc, assez que vous nous marquez un mot, vous n'avez pas écrit dessus. Où vous ? On n'y est même pas. Les jeunes narguent les policiers réduits à fouiller les poubelles. Derrière. Résultat des courses ? Juste un sac. Un sac. Sûrement un vol arrache. Un vol arrache ? Sûrement. Trouvé dans les étages. Il y a encore les papiers à l'intérieur, hein. Il y a encore des cartes vitales, des effets personnels. Et ça sert à quelque chose ce genre d'opération, hein, malgré tout ? Ça sert toujours, ça reste toujours dissuasif. Donc c'est bien d'être là, d'être présent. De faire voir aux habitants que la police ne les oublie pas et qu'on y est aussi. Et qu'on vient voir, qu'on vient visiter les halls, etc. On est présent, on essaie d'occuper le terrain. Sur les hauteurs, à plus de 300 mètres, quatre jeunes prennent la fuite, sans se presser. Le charbonneur, il est en haut. Il est devant avec la sacoche. Le charbonneur, c'est celui qui transporte la drogue. Il traverse la colline. Tranquillement, ses dealers regagnent la cité voisine. Ok. Et comment elle vous perçoit, cette jeunesse ? Vous n'avez pas entendu, on n'aime pas les flics, on n'aime pas les condés, voilà, vous avez votre réponse. Quand ils disent on n'aime pas les condés, c'est qu'ils nous aiment pas, c'est tout. Ils ne nous portent pas dans leur cœur, mais bon. Demandez-leur, ils attendent que ça. Qu'est-ce que vous en pensez de la police ? Hein ? Qu'est-ce que vous pensez de la police ? Moi, j'aime pas trop les flics, hein. Mais bon. Ça sert à rien. C'est la vie, hein. Moi, j'aime pas les condés. Ah, si on nous aime pas, c'est quelque part, on fait notre boulot correctement, c'est qu'on doit les déranger un petit peu, à mon avis. Il y a beaucoup de gens qui nous aiment. Bah... Ils nous reprochent rien. Bah oui. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui nous aiment. Qui nous aiment et qui nous disent bonjour. Exactement. Même qui nous disent bonjour. Pas qui en plus, oui, pas forcément je t'aime. Mais... Bon, voilà, qui disent bonjour. Voilà. Même des gamins. Tu vois ? C'est ça.
À Marseille, la bonne mère veille sur la ville autant que l'évêché protège les Marseillais. L'évêché, c'est ce bâtiment carré, l'équivalent du mythique 36 quai des Orfèvres à Paris. C'est la maison des 3500 policiers marseillais. Comme son nom l'indique, l'évêché était au XVIIe siècle la résidence de l'évêque de Marseille. En 1908, le bâtiment est transformé en hôtel de police. Tous les Marseillais connaissent l'évêché, tous les grands criminels du milieu aussi. L'évêché va connaître ses plus grandes heures de gloire dans les années 70, avec le démantèlement d'un des plus grands trafics de drogue mondial, la French Connection. Les gangsters marseillais fabriquent des tonnes d'héroïne qu'ils exportent vers les États-Unis. Les enquêteurs de l'évêché vont faire tomber les têtes de pont du réseau. Francis le Belge, Gaëtan Zampa et les frères Guérini. Dans les années 80, le trafic d'héroïne est remplacé par ceux du cannabis et de la cocaïne. Le port de la cité phocéenne reste aujourd'hui la porte d'entrée de la drogue sur le territoire. Les trafiquants ont changé de visage et se sont installés dans les quartiers nord. Particularité de Marseille, 80 cités, souvent pauvres, sont implantées au sein même de la ville. Nous sommes en planque avec Karine, 40 ans, de la BST. La gardienne de la paix attend qu'un véhicule s'arrête au point de deal, appelé le drive. Il y a une Clio blanche qui vient de rentrer au drive. Les consommateurs viennent y acheter leur cannabis, comme au supermarché. On va la taper. Clio blanche. Karine fait équipe avec Ghislain, un tarnais de 37 ans. Armé d'un flashball, il assure la sécurité des missions. Elle remonte. Celle-là, elle arrive. Bonjour, monsieur. Je vais vous demander de vous stationner un petit peu plus bas pour un petit contrôle. S'il vous plaît. J'ai vu. Il est en train de planquer avec sa main gauche. Avec sa main gauche, il met dans le slip les garçons. Donc voilà. C'est parti. Bonjour monsieur, un petit contrôle de police. Vous allez me présenter s'il vous plaît les papiers du véhicule. Et vous allez me remettre ce que vous avez mis dans votre slip s'il vous plaît. Pardon ? Ça me gratte, c'est madame. Vous allez sortir du véhicule, mes collègues vont procéder à une palpation. Votre voiture est stationnée, on passe devant, vous verbalisez. Ouais, donc, monsieur, on va être très clair avec vous. On est en surveillance. On vous a vu prendre contact, acheter et en repartir. Donc, on vous le demande simplement de nous remettre ce que vous venez d'acheter. Maintenant, si vous vous y refusez, il n'y a pas de souci, on vous ramène au poste, on vous fait une palpation complète et on retrouvera les stupéfiants quoi qu'il arrive. Donc, c'est comme vous voulez, monsieur, ou on perd du temps ou on n'en perd pas. Je vous explique. Pour l'instant, c'est un rappel à la loi. Garde à vue, ça sera 24 heures. Et ça sert à rien, monsieur, de le nier, on vous a vu. L'autre morceau. C'est tout ce que j'ai pris un 10. D'accord. Donc, on va vous ramener au commissariat pour une procédure simplifiée. Ça dure 20 minutes, on vous fait signer le papier comme quoi vous étiez bien en possession de matières stupéfiantes et vous repartez travailler. On va au commissariat. Allez, c'est parti. Karine monte dans la voiture du garçon interpellé pour rejoindre le commissariat. Le consommateur ne semble pas impressionné et se permet même une réflexion. Ah mais moi je suis autorisée à ne pas la mettre, monsieur. Et oui, en cas d'intervention où il faut que je sorte du véhicule rapidement, je ne peux pas mettre la ceinture. Mais bien tenté, monsieur, bien tenté. Mais oui, je l'ai pas mal pris. J'ai rien fait de grave. Hein. Une petite identité, monsieur ? Oui, bien sûr. Le jeune homme a été pris en flagrant délit de possession de cannabis. Reste à savoir quelle quantité exacte. Pas grave.
Des fois, on a plus de chance, les personnes ont plus de quantité, et d'autres, comme ce monsieur, un petit consommateur, avec une toute petite quantité. Et ça vaut le coup de faire tout ça? Ben, de la détention restera de la détention qui est 2 grammes ou 120 kilos. Voilà. Donc, c'est répréhensible, donc voilà. Le consommateur écopera d'un simple rappel à la loi. Aucune amende et pas d'inscription au casier judiciaire. L'homme repart au bout d'un quart d'heure. On aurait dû être beaucoup plus, plus méchant dans des bruits sans sorbine. Il a eu le sourire. Ah oui, non, mais tout à fait. Et super dédaigneux dans sa façon de faire, quoi. C'est tout ce que j'aime pas, quoi. Il estime qu'il a rien fait de mal. C'est ma consommation personnelle, non? Il est impliqué dedans, le mec. C'est lui, il va acheter du shit comme il va acheter une baguette de pain, quoi. Le fait d'acheter des stupéfiants, c'est pas un acte anodin. Il y a des règlements de compte, il y a une économie souterraine qui se fait, il y a beaucoup de morts, il y a une guerre incessante entre nous et eux pour ça, et on part simplement du principe que si il n'y a pas d'acheteurs, automatiquement, il n'y a pas de réseau. Donc, si les gens vont acheter, ils sont impliqués dedans. Même si c'est des simples consommateurs, même si c'est simplement pour une histoire de... ne serait-ce que d'une barrette de 2 grammes. 2 grammes, c'est rien. Mais voilà, ils sont quand même impliqués dans le processus. Et ça, les gens ont vraiment du mal à le comprendre. En gros, pour eux, on est juste là pour les embêter. N'aparté, j'arrive pas à rentrer sur ton truc, hein. Comme chaque fois sur la PS. J'ai Clément, vas-y. Le patron de l'évêché, la nuit, c'est le commissaire divisionnaire de permanence. Il nous a exceptionnellement autorisé à le suivre dans ses rondes. À une condition, que son visage soit masqué. Pour des raisons de sécurité. Au deuxième feu, là-bas à gauche. C'est 902. Pour info, on a reçu quasiment en même temps un appel nous signalant une grosse bagarre au 101 et un individu de 18 ans qui menaçait un individu avec une arme de poing. Vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît. T1-13, T902. Ouais, je me rapproche de Saint-Jean-du-Désert également. Ah, ok, Rouen. Bonsoir. Ils m'ont garé chez moi, ils ont une touche tout lait, j'ai pas pu sortir de. Mais où? Au bar à Chicha. Au bar à Chicha? Oui, ils ont des couteaux, ils sont allés chercher le couteau, j'ai vu un flingue. Ah, oui. Comment il est celui qui a le flingue? Il y en a un avec les cheveux longs. C'est lui qui a l'arme? Oui, il avait. Allez, gaz. À gauche. Dans cet établissement de nuit, 3 individus en état d'ivresse s'en sont pris au patron et à son fils. L'un d'entre eux a été arrêté, mais 2 autres ont pris la fuite en scooter. Expliquez-moi un peu. Ça morfure. Voilà. Ah, il vous a mordu aussi? Mais oui, parce que je tenais, je dis va-t'en. Il ne peut pas rentrer dedans, il est sous, il faut arrêter. Alors, mon fils lui dit, tu n'entends pas, et il sort le calibre, il me le braque à lui. Soudain, l'homme armé ainsi que son complice viennent d'être aperçus au bout de la rue. Individu armé, forte corpulence, cheveux très longs, veste grise, et porte un jogging et qui a pris la fuite en direction Herbel. Soudain reçu. T13 de T1743. Les individus ont pris rue Saint-Pierre et direction Herbel. Le chauffeur du commissaire prend en chasse le scooter et très vite le rejoint. Le conducteur et le passager n'opposent aucune résistance. Apparemment, ils n'ont pas d'armes sur eux. La BAC vient prêter main forte pour l'interpellation. Suivi du commissaire. Merci, papa. Allez, tout à l'heure.
messieurs. Bon alors. Ah bah oui, ça correspond bien en même temps. Hein. Le commissaire procède à la perquisition du scooter. Un coupon, mais c'est important. On en a toujours besoin. Pas de traces de l'arme décrite par les victimes. Les policiers supposent que les deux agresseurs présumés ont eu le temps d'aller la cacher. Les trois jeunes sont conduits au commissariat du 1er arrondissement et placés en garde à vue. Le porteur présumé de l'arme a tout juste 20 ans. Il est mis à l'écart dans le couloir. Ses complices, guère plus vieux, attendent d'être interrogés. Avec mes amis, il y a une altercation entre des individus dans une t-shirt et un bar. Mais rien de mal. Pourquoi me traiter comme un chien, m'attacher à une fenêtre, à, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, je me sens fatigué. Merci. Voilà. D'accord. Je peux m'asseoir, s'il vous plaît, sur le rebord ? Ou je suis un chien, je suis un singe ? Je suis un singe ? Hein ? Hein, je suis un singe, en fait. Mais pourquoi la caméra ne filme pas, là ? Parce que, hein, quand, hein, mais vous êtes des fiottes, moi je vous le dis. Sur la tombe de mon père, vous êtes tous des fiottes. Il n'y a pas, voilà. Écoutez, gros, faut arrêter de faire les fiottes. Oh, gros. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en attaché, les gars. Mais les gars, détachés, gros. Ils se chient dans le froc, ces gens-là. Arrête ! Calme-toi. Tu restes assis, vous pouvez partir bien. Arrête. Ça sert à rien qu'il fasse toujours. Je m'en fous. Malgré les provocations, les policiers gardent leur calme. Le commissaire, lui, reprend sa tournée de nuit. Il y en a au moins deux qui sont sous l'emprise de l'alcool. Peut-être d'autres substances, il faudra voir, il y aura des dépistages qui seront faits. Enfin, il y en a au moins deux qui sont quand même lourdement imprégnés de manière alcoolique. Bon, après, c'est l'attitude de défi, c'est... Ouais. C'est courant. C'est de la provocation verbale, on laisse faire. On a l'habitude, on a ça tous les jours, donc... De retour à l'évêché, le commissaire et son équipe consacrent leurs deux dernières heures de garde à la rédaction du film de la nuit. À la BST, les insultes et les provocations font aussi partie du quotidien de ces gardiens de la paix. Moi, j'ai grandi à Marseille. J'ai grandi dans les quartiers nord. La plupart, là, on est tous là, on a tous grandi dans les quartiers nord. Même si eux, ces gamins-là, ne le savent pas, mais on a tous grandi dans les quartiers nord. Quand on voyait la police, on se tenait à carreau, alors qu'on n'avait rien fait, mais on se tenait à carreau. À l'heure actuelle, la jeunesse de maintenant, moi, pour moi, c'est une jeunesse perdue. Quand ils voyaient la police, pour eux, c'est un défi. C'est un défi de dire quoi, comment et pourquoi. Je leur dis, ça vous sert à quoi de faire ça? Comme à Thème, Karine est elle aussi originaire des cités nord de Marseille. Mon père m'a transmis l'amour de ce métier parce qu'il était policier lui aussi. Et voilà, j'espère que je transmettrai la même chose à mes enfants. Et c'est pour eux que je fais aussi ce métier plus tard. C'est pour essayer de donner ma participation au bien-être de notre pays. Les gardiens de la paix de la BST gagnent environ 2000 euros net par mois. À mots couverts, certains se plaignent du manque de moyens et d'effectifs. Ou des parents, évidemment, mais... Une dizaine de fonctionnaires en plus à la BST ne serait pas de trop. Non, on fait notre boulot consciencieusement tous les jours. Hein. Ouais. On aimerait mieux le faire. Avec plus de moyens pour être plus efficace. Okay. Il faut surtout faire avec et on ne peut pas faire autrement de toute manière. Mais c'est vrai que voilà, on voit l'évolution sur les années et on se dit il y a de moins en moins.
Voilà, c'est une adaptation. On s'adapte tous les jours au terrain et au matériel et à tout. C'est pas un peu une ritournelle que le manque de moyens chez les... dans la police ? Ritournelle, non, en réalité, oui. Regardez, deux ordinateurs pour 40 effectifs, ça fait un moment qu'on en demande d'autres. Hein. Une imprimante qui marche. Le gouvernement a décidé de prendre les devants. 80 policiers supplémentaires sont annoncés pour ce début d'année à Marseille. Nous sommes dans le lieu le plus secret de l'évêché. Pour toi, c'est bon pour l'arrivée, tout est en place ? Le centre de commandement des opérations spéciales. Le chef d'état-major... Jean-Cyril Raymond pilote 280 policiers sur le terrain pour une mission de sécurité nationale. Ce vendredi 8 novembre 2013, Marseille reçoit une haute personnalité, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. On voit une espèce de bus rouge là, dans l'écran en haut à droite. Là. C'est le bus des touristes là. Ah bah faut qu'il vire. On le fait virer dès maintenant. En quelques minutes seulement, la voie est dégagée. L'enjeu, c'est qu'il n'y ait aucun problème de sécurité. Et pour ça, on essaie d'anticiper tous les événements possibles qui puissent arriver, des manifestations ou à la circulation. Comme là, on est en train de voir le stationnement d'un bus qui gêne au milieu. Donc on essaie de toujours avoir un coup d'avance sur le voyage et de penser à tout ce qui pourra arriver. Pour ça, on a l'ensemble des effectifs sur le terrain qu'on dirige à partir de cette salle. Le Premier ministre a passé la nuit à la préfecture. Au programme du jour, une visite dans le centre-ville, puis dans les quartiers nord. Rien ni personne ne doit entraver la progression du cortège. Départ imminent du cortège. Ça y est, ça sort. Ça sort. Top départ. Top départ. Top départ à tous, top départ du cortège. Itinéraire 1. TM13 à tous, personnalité sur le trottoir de gauche, remonte à Calmir à Pion. Ouais, 2610, Discovery Radio, un message bref. Le chef d'état-major ne lâche pas le ministre des yeux. Le programme initial, prévu plusieurs jours à l'avance, est chamboulé au dernier moment. Jean-Marc Ayrault est venu apporter son soutien à Patrick Mennucci, le candidat aux prochaines élections municipales à Marseille. La visite prend un ton de campagne électorale, avec des arrêts dégustation imprévus chez les commerçants. Résultat, 20 minutes de retard. Ah, il va voir le marchand de t-shirts. De toute façon, il va accumuler le retard, il va forcément le rattraper. Je sais pas où il peut le rattraper. Le chef d'état-major tente de trouver un plan de repli, en urgence. Allô, allô. Le PM est à la gare, il a pour l'instant pas loin de 30 minutes de retard sur l'horaire. On est en train de faire en urgence un itinéraire. Est-ce que tu pourrais voir sur la 55 si la circulation est fluide et dans le cas inverse, préparer un bouchon mobile. Mais une nouvelle fois, changement de programme. Ah, il est en train d'entraper son temps. Donc en fait, il a totalement zappé le passage Saint-Charles. Ça aurait dû durer pas loin d'une heure et il est resté un quart d'heure. Donc je vais rappeler Géraldine pour lui dire que l'horaire que je lui avais donné est totalement faux. Comment ça se passe, chef ? Jusque présent, tout allait bien, tout était réglé comme du papier à musique. Et là, on a tout chamboulé, appelé plein de gens pour tout régler. Quoi. Et c'est dans ces cas-là que là, on a toute notre utilité ici. Vous, chef d'orchestre ? Nous, chef d'orchestre. Au moins trois fois par an, tous les policiers se rendent à un entraînement un peu spécial. Ce soir-là, l'équipe du commissaire de nuit n'y échappe pas. Je rabats le marteau là, l'étui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est pas mal. Parcours du combattant. Lumière tamisée pour recréer les conditions de nuit.
Allez, tu vas rentrer dans le couloir, là, et là, tu ripostes tout de suite, allez, vas-y. Très bien. Et tu es rouillé? Oui. Parfait, on enlève le casque, on va au résultat. Tu avais rendez-vous avec quelqu'un? Non. Parce que tu allais vite, hein? Je sais. Vous mettez du stress là où il ne doit pas y en avoir, hein? D'accord? Alors, un, deux, donc cette cible est traitée. Oui. Deux, aide-moi là, parce que moi avec mes vieux yeux là... Il n'y a rien. Celle-là, tu l'as oubliée. C'est vrai que j'ai pas visé, j'ai pas... Tu es allé trop vite, doucement, doucement. Bilan? Bilan... C'est pas mal, non? On ne dira pas. Si, c'est pas bien. Mal. C'est bien, on ne dira pas. Tant que vous êtes derrière des abris, il n'y a pas d'urgence à tirer vite. Hein. Au contraire, c'est là qu'il faut prendre le temps d'analyser et d'ajuster son tir et de savoir s'il est pertinent, pas pertinent. C'est là qu'on prend son temps. Il ne faut pas se laisser prendre par l'effet tunnel du tir. Hein. D'accord? Vous le savez, nous, notre but sur la voie publique, c'est d'éviter de tirer. On ne tire que si vraiment on est au pied du mur. C'est quoi cette histoire? Ouais. Mais j'ai juste entendu percuter par l'arrière, fourgon, j'ai pas... Il est 1h du matin, nous sommes dans le sud de Marseille avec le commissaire. Un véhicule de police a été percuté par un voleur de voiture. Vous allez bien? Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va et vous? Bonsoir, ça va. Bonsoir. J'ai froid, mais ça va. Bon alors, il se passait quoi? Qui était là? Qui me raconte? Le chauffard a voulu semer la BAC au volant de ce fourgon volé. Il a grillé une dizaine de feux rouges jusqu'à percuter ce véhicule de police. Bilan, deux agents blessés. Ah, c'est vous qui avez été percuté? Et alors? T'as eu mal ou... Jean-Marc, plus que moi. Moi il est où, Jean-Marc? Mal au cou, il est dans le bien salé. Le plus grièvement blessé a une entorse des cervicales. Oh mon Jean-Marc, alors? Ça va? Ça va. Beaucoup mal? Non, attendez, décalez-vous un tout petit peu vers là. Le chauffard est conduit par la BAC à l'évêché pour être placé en garde à vue. Bon, allez, bonsoir, merci beaucoup. TN13, TI-902. L'année dernière, à Marseille, 535 policiers ont été blessés en service. Est-ce que c'est un métier plus risqué à Marseille qu'ailleurs? Non, le métier de policier peut être dangereux. On a affaire à des gens qui sont des malfaiteurs, qui feront tout dans la mesure du possible pour ne pas être interpellés. Donc les risques encourus par les policiers sont identiques finalement à Marseille, à Paris, ou surtout le territoire national, pour tous les policiers. À l'entrée des quartiers nord, il y a pourtant un contre-exemple. Trois jours plus tôt, ce commissariat a été la cible d'une attaque au cocktail Molotov. Le brigadier-chef et ses collègues sont encore sous le choc. Alors le commissaire est venu écouter leur doléance. Les agresseurs habitent à quelques dizaines de mètres du commissariat, dans cette cité. Quand l'un des leurs a été interpellé, ils ont décidé de se venger. Le commissaire découvre les images enregistrées par les caméras de surveillance. Donc là, on va voir. Donc là, c'est en flamme. Ils ont déjà balancé un cocktail Molotov. C'est quoi ça? Ça, c'est des... Il y a des travaux au commissariat. Ouais. Donc là, il y a un collègue qui sort avec son arme. Là, il se met à couvert parce que là, on voit un individu qui sort là-bas. Et là-bas, on voit au fond. Ouais, le cocktail éclate. Et après, il s'occupe d'éteindre les incendies. Ouais. Donc là, c'est l'arrière du commissariat. Il y a une tour ici. Et là, on va voir les individus qui commencent à allumer leur cocktail derrière. Donc là, ils sortent. Première, un, deux. Les flashs, là, c'est... C'est les éclats au sol. C'est lorsque le cocktail s'enflamme. Là, ça bombe, ça retombe dans la cour du commissariat. Et là, hop, ça ressort encore. Donc, clairement, vous êtes visé, vous. Voilà. Ah oui, c'est... Ouais, quand même. C'est de la violence ordinaire, ça? Si on peut appeler ça ordinaire. Malheureusement, on en vient à être habitué à ce genre de violence. Moi, quand je suis arrivé en 2007, c'était 40 attaques du commissariat par an. Attaques, caillassages... cocktail Molotov, les individus viennent au contact, on se bat dans la cour du commissariat. Donc, voilà. Individus, des gros bandits ou... Non, 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 non.
N'importe. Mais, enfin, ici, on est caillassé par des minots de 10 ans, 10 ans, 11 ans. Donc, voilà, une difficulté parce que bon. On a très peu d'effectifs quand même. Hein. C'est un commissariat effectivement qui est au sein de la cité. Celui-ci, il est vraiment à l'intérieur de la cité. Donc, même lorsqu'on a les effectifs, il faut encore le temps qu'ils arrivent jusqu'ici. Et vous avez vu, enfin, on voit bien sur les images, ça va très très vite. Quoi. Ça prend quelques secondes hein, pour jeter une dizaine de cocktails Molotov, ça va très très vite. D'accord, j'y vais en premier. Ça va. Ce jour-là, Atem et l'équipe de la BST patrouillent dans une cité nord. Ouais, c'est mort. Hein. Quand soudain, à la radio, une alerte. Un incident grave va les empêcher de poursuivre. J'y vois trois mains. Un individu a roulé sur un fonctionnaire de police. Je vous envoie les pompiers immédiatement. Vas-y, démarre, on y va. Un policier de la BAC vient de se faire rouler dessus par un individu qu'il voulait contrôler. Ouais, mais le véhicule, il a pris la fuite. Tu vois, tu situes à quel endroit? La Rose, vers la Rose. Demande de l'ordre à l'endroit exact. Athènes 13 de la BST 14-15, Charlie, on se rapproche. Hein. L'équipage de la BST doit se frayer un chemin dans la circulation dense de Marseille. Wow, là, c'est vrai que ça a pas quitte à prendre quelques risques. Il est connu des services. Hein. Oui, on l'a bien reconnu à 100%. Et de là, il marche, il nous a percuté volontairement, c'est qu'un véhicule. C'est bien. Et là, le collègue. Ah, c'est lui. Putain, il s'est fait écraser les jambes. Tous les effectifs du nord de Marseille ont été appelés en renfort pour rechercher le suspect. Il habite le quartier et s'est enfui à pied. C'est bon ? Ghislain et Atem sont sous tension. Vous cherchez l'individu ? On attend d'avoir les renseignements, là, pour le faire. Très vite, on leur communique la photo du suspect. Ouais, moi aussi, lui, je connais lui. Nickel, on garde la vue. Mais oui, il est en garde à vue. Ils vont venir avec vous. Vous êtes qui, madame ? Moi, c'est un expresseur, c'est à Carrefour ce matin. Ouais. J'ai pris un portable, et après j'ai... Sur les lieux de l'accident, la tante du suspect est venue à la rencontre des policiers leur donner des informations. Ce qui ne plaît pas du tout à son ex-belle-sœur, la mère du suspect. Aujourd'hui, Jack, c'est mon fils. Apparemment, elle le cache souvent, le petit. Elle nous invite à rentrer chez elle. Allez, vous nous invitez. Allez, on y va, madame, on y va. L'individu recherché a 20 ans. Il se cache peut-être chez sa tante, qui l'héberge régulièrement. C'est une mytho. C'est une nuit. On parle doucement. D'accord, d'accord. Chut, maintenant. L'équipage de la BST va tout de suite vérifier. Toutes les mesures de sécurité sont prises avant de pénétrer dans l'appartement. Le suspect est peut-être armé. L'appartement est vide. La brigade va devoir chercher ailleurs. Allez, bah, descends avec moi. Un mec avec capuche noire sur vêtements bleus, il a longé le mur, il a descendu le mur. En patrouille dans une cité voisine, Atem a cru repérer un homme correspondant au signalement. Le clou. Eh ouais, ma gueule.
Je sais pas ce qui se passe dans la cité d'à côté, on sait pas, nous, hein, frère, voilà, de là, ils viennent nous embêter à nous, nous, on a rien à voir. Ça casse les couilles, voilà. Ça nous pousse pour rien. Vous faites quoi, vous, ici? On est dans le bâtiment, nous. Tu vois, peintre à bâtiment, on est. Ça, c'est le boulot de couverture, ça. Ouais, voilà, quoi. Tranquille, on travaille dans le bâtiment, nous, frère. Allez, va, les gars. Allez, les gars. À bientôt. À bientôt, frère. Il s'est passé quoi, à côté? C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur, à côté? C'est passé. On est filmé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a des gens qui font des conneries. C'est-à-dire, hein? C'est-à-dire. Voilà. C'est-à-dire. Il y a des gens qui font des conneries et qui doivent assumer. Assumer quoi? C'est-à-dire. Assumer. Quand tu fais une bêtise, voilà. Tu assumes tes bêtises. On l'assume. Voilà. Il y en a, ils veulent pas se rendre aussi facilement que tu crois. Suggestion. Ils sont au courant. Ils savent qui c'est, hein. C'est l'un de leurs potes, l'un de leurs connaissances, entre guillemets. C'est quoi leur métier à eux? Leur métier? Bah, comme vous l'avez vu, quand ils nous ont vu débarquer, ils ont crié le fameux ARA qui avertit de la présence des fonctionnaires de police. Donc leur métier, il est vite vu, hein, ça nous fait bien, hein, on est dans une cité, ils crient ARA, c'est des guetteurs, c'est un lieu où il y a des ventes de produits stupéfiants, donc voilà, c'est des guetteurs. Bon, ils m'ont dit qu'ils travaillent dans le bâtiment, moi. Oui, bien sûr, ils travaillent devant le bâtiment. À tenir les murs. Les jeunes. Et là. Comme il a tourné la tête. Ah non, chef. Attendez, je suis guetteur et vous me filmez. Attendez, ma réputation. Il a fait... Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas ce qu'ils font. Ah, ils ont vu quelque chose, ils sont partis en courant, ils ont vu quelque chose. Vas-y. Ça. Vers là-bas. Une silhouette furtive, et puis plus rien. Avec toutes les forces de police présentes sur place, il va attendre, il doit être caché dans un appartement, ça c'est sûr et certain. Il va attendre que les effectifs de police partent et ensuite... Il va sortir. Le gars, on l'attend. On l'attend et on va le trouver. On va le trouver. Trois semaines plus tard, l'individu sera interpellé et placé en garde à vue. À l'évêché, en attendant d'être auditionné, les gardés à vue sont cambalés au sous-sol, comme on dit à Marseille. C'est le cas de Didier, 22 ans, enfermé dans les geôles pour 96 heures. Filmé ici est extrêmement rare. Tu peux déjà commencer à en mettre au cordon, on laisse que tu dans les poches. Didier est incarcéré au Beaumet pour stupéfiants. Il revient ici pour une nouvelle affaire. On met 40 fois ce... En ce moment, là, ce truc. C'est-à-dire en VGAC? En VGAC, au moins... Ça depuis petit, on connaît. Ils savent qu'on connaît. J'ai pris mon téléphone de plate à moi. Mets tout là. Oh machin, le téléphone, tu dis qu'on a pas ce qu'il veut. Le cordon, jogging, tu l'as enlevé. Téléphone. Aïe. Pas le prochain. S'il est en coupe, ça arrive pas. Cordon, lacet. Et tout autre objet dangereux sont confisqués pour éviter les tentatives de suicide. C'est une signature. Bon, là, c'est... On est mieux que dehors, si vous voulez savoir. En prison? Ouais, ouais. Pourquoi? Ah, on n'a pas de soucis, au moins. On est protégé par les murs. Allez, je le mène, c'est où, à la 10? Allez, c'est parti. Bon, merci. Bon. Les geôles peuvent accueillir plus d'une centaine de détenus. C'est la première cellule. Alors. Les cellules datent de la création de l'évêché. Les murs,
gardent en mémoire le passage des plus grands noms du milieu marseillais. Ce jour-là, une vingtaine de détenus. Ils ont 25 ans ou moins. Ils attendent d'être jugés pour trafic de stupéfiants, trafic d'armes ou braquage. Dans une pièce voisine, des experts procèdent à une signalisation. Un jeune homme jusqu'alors inconnu des services de police venez. Fait son entrée dans le fichier national. Mettez-vous ici. C'est sa première garde à vue. Vous regardez droit devant. Regardez ici. Voilà. Vous pouvez vous rasseoir. Vous avez des tatouages, cicatrices ? Non. Non. C'est comme dans les films, en fait. Presque. Vous avez les mêmes moyens ? Oui. Oui, oui. Parce que là, on est en train d'aller monter la base. Donc... Une victime qui vient porter plainte, elle nous dit voilà, j'ai été agressée par une personne petite ou grande. Donc nous, on va rentrer toutes ces données dans la base et la base va nous chercher les personnes qui peuvent correspondre à cette personne. Notre main, comme ça. C'est bon. Les personnes en garde à vue peuvent demander une visite médicale. Est-ce que vous avez des antécédents particuliers à me signaler, des médicaments urgents ? Non ? Pas d'intervention chirurgicale récente ? D'accord. Midi tapante, c'est l'heure du déjeuner. Tu veux manger ? C'est volaille sauce curry, avec du riz. Ça arrive, les gars, ça arrive. Du riz, les pains, les repas des gardés à vue sont pris en charge par l'évêché. On mange quoi aujourd'hui ? Riz, pâtes, carottes, chips, c'est varié, c'est quand même des barquettes de qualité. Des repas de qualité, au succès mitigé. Tu veux pas manger ? Non ? Ça, tu veux pas ça ? Non, non. Non ? Bruno ? Ouais. La 5 refus ? Si. Tu veux manger ? Non ? C'est beaucoup de refus en fait. Ah, ils aiment pas trop ça. Ouais. La 9 refus. C'est pas possible. Salut, ça va ? Ouais. Jour et nuit, c'est le défilé des enquêteurs. Ils viennent chercher les détenus dans les geôles pour les auditionner. Des policiers en civil qui n'ont pas vraiment l'habitude d'être filmés. J'ai pas vu. Oh, ok. T'avais pas vu ? Non. Les méchés. Les geôles. Bigger. Bruno. Et ça, ça travaille avec lui. Ah ouais, on travaille avec lui, c'est lui. C'est médiatique. En tenue orange, le gardé a vu d'une vingtaine d'années. Allez. Fais dédicace, quoi. Eh ouais. Fais dédicace. Dégueule, c'est votre petit. Allez, c'est détendu, en fait, ici. C'est détendu, quelque part, ici. Vous revenez, là, après. Ambiance détendue. Le personnel passe souvent plus de temps que les détenus, emmurés dans les geôles de l'évêché. Le climat sur Marseille n'est pas des plus cléments ces derniers mois. Comme souvent, le Mistral souffle très fort. Mais ce sont d'autres types de rafales qui alimentent la tempête médiatique. 18 hommes sont morts assassinés lors de règlements de compte en 2013. Et cette nuit de décembre aurait même pu voir le 19e meurtre. On a été reçu par un automobiliste qui venait de se faire tirer dessus. Il y a 5 impacts sur le véhicule, côté conducteur. C'est blessé au niveau du ventre et il se plaint du bas du dos côté gauche ainsi que dans la jambe gauche. Ce monsieur est rentré chez lui et l'individu est arrivé face à lui et donc a tiré sur son véhicule. Donc lui, il a pris la fuite
Et il n'a pas vu le tireur, il était engagoulé, c'est tout ce qu'il a pu le dire. C'est là ? Le commissaire de nuit rejoint les forces de l'ordre déjà sur place. Non, tu la suis. Il est 0h50 ce vendredi soir, quand la victime tombe dans un guet-apens dans les quartiers nord. Il réussit de justesse à échapper à son agresseur et parvient seul à regagner l'hôpital. C'est clairement une tentative d'assassinat. Il se trouve que la victime est connue des services de police défavorablement. Donc après, il y a plein de raisons qui peuvent motiver un homicide, quoi. Enfin, une tentative d'homicide. Les jours de la victime, un homme de 33 ans, ne sont pas en danger. L'agression a eu lieu au fond d'une impasse, dans un quartier résidentiel. Voilà, elle est là. Où ça ? Ouais. Au sol, les douilles de l'arme automatique utilisées. 7,62. Vraisemblablement Kalachnikov. On dénombre combien de... Pour l'instant, 9. Voilà, et là vous avez des impacts qui sont... Ouais, c'est pas mal, hein. Donc là, la voiture était manifestement là. Ça, c'est les vitres latérales des deux côtés qui ont explosé. Voilà, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on n'a aucun appel de riverain. Alors soit tout le monde est absent, parce qu'il y a quand même au moins 9 coups, quoi, donc... Ça fait un coup de pète, ça claque bien, quand même, ouais, ça claque bien. Les pompiers ont été appelés en renfort pour éclairer la scène de crime. Bonsoir, monsieur. Vous avez entendu quelque chose ce soir ? Pas spécialement, non. Pas spécialement, d'accord. Parce que moi, avec la fenêtre, là, j'ai vu le gyrophare. Moi, j'ai eu un problème, il y a un voisin qui... Mais vous avez rien entendu ? Qu'est-ce qu'il y a de... Mais sinon, si vous avez rien entendu, vous avez rien entendu. Ok, merci, monsieur, bonsoir. Monsieur Patrick. Vous allez bien ? Le lieu sécurisé, le commissaire passe le relais à la police judiciaire, qui va se charger de l'enquête. Bon, allez, je vous laisse, moi. À ce jour, l'auteur des coups de feu court toujours.